tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter mon petit Happy Mail que je vais envoyer demain à Géraldine. Nous nous sommes donc arrangés pour faire un échange d'Happy Mail. Donc je voulais vous le présenter. Avant de l'envoyer, bien sûr, cette vidéo sera publiée une fois qu'elle l'aura réceptionnée. Mais bon, il faut bien que je la tourne avant de l'emballer. Donc voilà, j'ai pas beaucoup de recul avec la caméra. Voilà comment il est en étant rempli. Donc je vous le passe comme ça. Voilà. Et je vais bien entendu vous détailler ce que j'ai mis à l'intérieur. Alors, ici, j'ai fabriqué une petite boîte shaker avec des petites perles, voilà, des petits cadeaux comme ça à l'intérieur. Ici, j'ai réalisé un petit cornet comme ceci. Oui, j'ai oublié de vous dire, notre thème d'échange était le printemps. Donc voilà. À l'intérieur, à l'arrière, j'ai mis des petites fleurs comme ça et quelques petites fleurs en cadeau à l'intérieur. Ensuite, par contre, ce que je n'ai pas réfléchi, c'est que les enveloppes, je les ai scellées. Donc, je ne serai pas vous montrer tout ce qui est à l'intérieur, mais bon, elle vous fera peut-être une vidéo pour vous filmer le détail. Donc, j'ai fait cette enveloppe-ci que j'ai fermée à l'arrière avec un die-cut comme ceci. Et donc justement dans cette enveloppe-ci, je lui ai mis plusieurs die-cut, stickers, etc. Ensuite, il y a cette enveloppe-ci. Donc ici, c'est un morceau de papier vellum, des petites découpes en papillon que j'ai fermé comme ceci. Et à l'intérieur, je lui ai mis tout un tas de découpes, tout simplement. Alors, dans la grande pochette, ici au-dessus, je lui ai mis différents papiers. Donc, ces deux-ci, en fait, c'est pour fabriquer des petites boîtes. Je lui ai mis un comme ceci. Un comme cela. Dans les mêmes tailles, celui-ci, celui-là. Dans les formats un peu plus grands, je lui ai mis celui-ci, c'est du 15 par 30, hein, ceci. Celui-là. Celui-ci et celui-là. Donc là, nous en avons terminé avec la grande pochette. Dans la petite pochette, nous avons voilà cette enveloppe-ci que j'ai fermée comme ceci. Je ne sais pas si celle-ci. Je serai l'ouvrir sans tout déchirer. Non. C'est encore des petits die-cuts, des petites découpes différentes que j'ai rajoutées donc, dans cette enveloppe-ci. Ensuite, je lui ai fait une petite enveloppe cadeau comme ceci, que j'ai fermée comme ça. Avec une petite surprise à l'intérieur, je lui ai mis un petit sachet de thé et un petit sachet de café, ne sachant pas lequel des deux elle préférait. Ensuite, je lui ai fait un tag qui se présente comme ça. Donc voilà, j'ai mis la petite fille en 3D, des petites perles, et puis une superposition de découpe et de papier. Voilà pour le tag. Ensuite, je lui ai fait une petite pochette
Donc comme ceci. Je ne sais pas si on voit bien, j'ai perforé ici le côté pour qu'il soit plus court et donc on voit l'arrière. Voilà. Ici avec le petit nœud, j'ai mis un petit embellissement. L'arrière, je l'ai laissé tout simple. Et donc quand on ouvre le petit nœud, oups, il y a mon embellissement du coup qui s'encourt. Hop. Donc quand on ouvre le petit nœud, ça se présente comme ceci. Donc j'ai décoré la pochette avec pas mal de perles et je lui ai glissé à l'intérieur deux ATC. Donc la première ATC. Enfin, je ne sais jamais si on dit un ou une ATC. Dites-moi en commentaire si vous savez. Donc ça, c'est la première. Et ça, c'est la deuxième. Je ne sais pas si on voit bien le fond parce que c'est de l'embossage à chaud, mais une couleur assez claire. Donc voilà. Et le fond de la pochette sans les ATC est décoré comme ceci. Voilà pour les petits ATC. Ensuite, je lui ai mis plusieurs rubans. Je suis dingue de rubans, donc voilà, j'ai essayé de lui mettre... Enfin, je n'ai pas pu mettre un exemple de tout, sinon j'aurais rempli l'ATC de rubans, mais voilà. J'ai également mis... Oups, attendez, c'est attaché. Voilà, des petits washi tape. Voilà, je vais peut-être vous montrer du coup d'un peu plus près donc elle se présente comme ceci la Lodite quand elle est vide et je ne vous ai pas montré, j'ai oublié de vous montrer l'arrière, donc je vous montre l'arrière maintenant. Donc l'arrière je l'ai voulu assez simple, voilà, j'ai juste fait une petite pochette dans laquelle j'ai glissé ma petite carte. Et donc, voilà comment se présente la petite carte. Donc, toujours bah, sur le thème du printemps. Je lui ai mis mon petit mot à l'arrière. Et bien, voilà pour cette présentation Happy Mail. Vous avez été nombreuses à me demander de vous réaliser un tuto donc pour la réalisation de cet Happy Mail. Je ferai ça probablement en semaine. Et pour celles qui auront peut-être déjà vu cette vidéo aussi, à mon avis, avant la vidéo tuto, celle que je fabriquerai en direct avec vous, pour celles que ça intéresse, je la proposerai à l'échange. Donc voilà, j'espère que cette petite présentation vous aura plu. Comme d'habitude, je vous inscris mon compte Facebook, mon Instagram, ici à gauche, à droite. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé, à me laisser un petit commentaire et aussi à activer la petite cloche si vous voulez voir les prochaines vidéos. Je vous remercie de m'avoir écouté. À bientôt !